Et qu'elle a dit son équipière aux couleurs d'Orthez Ménager, d'automobile à l'allocation, de carrosserie du Monde, de Rivet Compétition, de Décrin, de Art Commissaire, d'Opel Orthez, de carrosserie Bonnette, de Sadev et de Moulia Imprimerie. Et voilà. Oh, c'est le meilleur temps pour l'instant. C'est le meilleur temps à l'intermédiaire. De véhicules de compétition, alors que c'est Chevalier qui est sur la piste maintenant avec une innovation, hein, David et Yann Olivier à essayer quelque chose qui n'a jamais été effectué dans cette discipline, monter un moteur Ferrari dans un buggy. Alors évidemment ça c'est compliqué parce que ce sont... Pierre Denis Agité, l'applaudit. Et là-haut également, on peut bouger les bras à l'applaudir. Voyons son équipière à ses côtés. Vainqueur. Le 43 Jean-Philippe Durandet, 2.24.3, Pascal Zielinski l'avait fait 2.24.3 également, et Jérôme Hélin en deux roues motrices de 200 points sur Thomas Brecht, on est en 2.28.4. Voilà, on écoute ce beau moteur. C'est un cyclone. Mm-hmm.
15e place actuellement pour l'équipage au volant de cette Lada pour 321. Pointeau d'ailleurs qui a terminé ici avec, il a 3 victoires de place. Frères et sœurs qui sont en piste, moteur Nissan dans la classe 3, ils sont actuellement dans... Oh là là, vous voyez presque figure là, pour... il attaque hein, le pilote d'Orléans avec son proto motorisé Nissan. Numéro 40 actuellement en piste, lui aussi un palmarès élogieux, ce sympathique concurrent local qui a terminé ici de nombreuses fois avec je pense également une bonne vingtaine de participations. Il est en retard apparemment, Lund n'est pas abandon mais il a dû pointer en retard à un moment. Il a dû y avoir un problème mécanique à un tintant à un certain moment puisqu'il n'est pas à son ordre de passage. Il est toujours en course, alors certainement il va y avoir là pour du retard, je ne sais pas quoi, à quelle heure il est. Que c'est Mathieu Irigoyen qui est en piste maintenant. Jeune pilote également, talentueux pour ce jeune garçon, le numéro 16. Oh, c'est pas mal ça, parce que c'est un très bon temps.
perdu du temps, problème de suspension. Quel beau saut de Carlos, superbe. De la Cour Travaux Publics, d'Adour Conseil, de Coréba, d'Atelier Industrival, de Speedflow, de TPS Transport, avec l'appui également du garage de la Courdie de Calcio Enseigne. Le champion de France titre de la catégorie Challenge, Damien Bouchy-Libéry, qui ne sera pas le champion cette année. Pour le 16, on était en 2,24. Arnaud qui attaque aussi, hein, donc 2,24 pour l'équipage Mathieu et Rigognès. Deviendra champion de France dès ce soir. Ce garçon qui a été sacré espoir de l'année 2010 et qui a maintenant 10 victoires en championnat. Voilà, et devant le public, il fait un spectacle. Et il vient de se louper, le champion. Là, ouais. Non.